Je dis en deuil et parce que hier, samedi qui était 28 janvier 2023, docteur Mireille Simon, Mireille Michel Simon, c'est fondatrice et pasteur l'église, est décédé samedi qui était 28 janvier 2023. Il était beau pour faire. Son côté n'a pas eu de gloire, n'a pas eu de merci. Mais n'a pas chanté, je bénis l'éternel, ou pas de chanter. Nous disons que vous chanter pour moi, ou pas de chanter. Depuis vendredi matin, je chante, je bénis l'éternel. Mais que je suis en fait de chanter avant tout bagay. Moi chante, moi chante, moi chante. Matin, on a eu l'air de camper à cause de Pasteur Fish, Madame Tanye, mais pas dans l'endroit. I heard a voice says, get my mic and come to represent me. That's why I took a mic. And even though Pastor Peter get a chanté chanté, I'm gonna sing it over again. Bear with me, please. Je bénirai l'éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'éternel. Je bénirai l'éternel. Et puis, nous avons dit, David, pour qui ça qui est content, pour qui ça c'est de ça, ou brave. Vrai chrétien, il est brave devant la mort. Pour qui ça ou brave? Parce que il y a une consolation dans mon Dieu. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, il est dit, j'entendis du ciel une voix qui dit, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'il se repose de leurs travaux. Car les œuvres, Quel que soit le monde qui a pris les moments de silence. Dans l'occasion, ça, nous sommes venus partager un moment ensemble avec l'Assemblée, avec les leaders de l'Église. Et c'est l'occasion pour nous être capables de présenter nos condoléances. Et nous avons invité nous rapidement pour nous capables de témoignage Pasteur Laurent, une petite spirituelle, Docteur Simon, qui a accepté de partager la première réaction sur le départ de Docteur Simon. Nous avons parlé pour qu'on ait une date qui est fixée pour funérailles, mais nous invitons à rester branchés sur les réseaux causés chrétiens pour être capables au courant de toute évolution qui a gagné autour du départ de Sœur Docteur Mireille Simon. Encore une fois, on a présenté toutes ces parties nous, à amis, à famille, spécialement à l'Assemblée House of the Living God qui a perdu son maman, son leader, son monde qui a gagné un pile impact, qui a fait un pile impact dans la communauté haïtienne dans Miami. Là, nous avons eu la chance pour nous entendre Pasteur Laurent. Qui lui-même était
prêché matin et qui voulait tout, qui partage ensemble avec nous un mot de condoléances dans l'occasion. Merci, serviteur de Dieu, le fait que vous accordez nos opportunités. Non, nous sommes pasteur Pierre-André Laurent, nous desservi l'Église de Dieu à l'hôpital par la foi qui est dans Orlando, Florida. But nous sommes un pasteur à distance de House of the Living God. Côté docteur Mireille Michel Simon, il était à pastorer pendant plus de 25 ans dans la cour Miami. Et raison qui fait que nous là, c'est pour nous capables de dire officiellement, parce que ce n'est pas du sang neuf que je viens d'apporter dans vos veines, mais cependant, c'est juste une nouvelle que nous voulons confirmer pour nous-mêmes en tant que fils spirituel de Mother. Tout le monde connaît que c'est une première petite Mother gagnée. Oui, hier, Mother vient d'avaler son acte de naissance. Elle vient de casser sa pipe, si nous étions capables de mettre le conseil. Elle retournait à le joindre papa. Ça veut dire que le ciel t'est prêté nous pour un petit moment et le ciel choisit pour le prendre, lui reprendre dans mes nous pour la servir dans ce ciel-là comme ange. Alors, nous voulons souhaiter des mots de condoléances, premièrement, à mamie à Célia en Haïti à 94 ans, avec frère, cousin, cousinio, frère Renoir, Sylvestre. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu bat nous force pour nous capables de coopérer et valer pilule ça qui est aussi amère dans la bouche moins comme dans la bouche en pile dans nous-mêmes. Nous souhaitons condoléances à House of the Living God, que bon Dieu bat nous force, j'ai que m'te prêché matin, que bon Dieu bat nous courage pour nous capables de carry on with that legacy. It was a beautiful moment having Mother with us. C'est un moment qui était merveilleux pour nous avoir Mother ensemble avec nous. Bon Dieu choisi pour le prendre. Que le nom de l'Éternel soit béni.